Alors, nouveau problème visiblement pour Cyberpunk. Avoir trop d'objets dans l'inventaire peut entraîner une corruption des sauvegardes. Les problèmes s'accumulent un peu plus chaque semaine pour Cyberpunk. Après les nombreux bugs in-game, c'est au tour des sauvegardes de jouer un mauvais tour aux joueurs. En effet, les fichiers peuvent être corrompus d'une manière assez étonnante. Sur les consoles de Sony et Microsoft, Cyberpunk n'en finit plus d'accumuler les problèmes. Les deux constructeurs proposent même de rembourser intégralement les joueurs mécontents, et la firme Nippon est allée jusqu'à retirer le titre de son PlayStation Store. Bon, alors je vous passe l'intro, à chaque fois les articles sont un peu pompeux, les intros. En effet, plusieurs utilisateurs ont été touchés par une corruption de leur sauvegarde. D'après les premières informations relayées par le studio polonais sur GOG, ce problème serait lié au fait que les sauvegardes en question dépassent la taille des 8 MO. Cependant, il y a bien un moyen d'esquiver cette mésaventure qui touche uniquement les joueurs PC pour le moment. CD Projekt Red a donc signalé que malheureusement une sauvegarde endommagée ne peut être récupérée. Nous vous prions d'utiliser une sauvegarde plus ancienne pour continuer à jouer. Essayez aussi de stocker un peu d'objets et de matériaux dans l'inventaire. Ainsi, la corruption des sauvegardes serait liée aux éléments placés dans l'inventaire de vie qui feraient augmenter la taille du fichier. Les développeurs terminent en annonçant que le poids maximum de la sauvegarde pourrait être augmenté via un futur patch. Putain, mais ils ont des problèmes sur ce jeu, c'est incroyable. À quel moment une sauvegarde trop lourde peut faire planter le jeu, peut corrompre la sauvegarde? Mais comment ils ont créé ce jeu? Enfin, là, je veux dire, les problèmes qui arrivent, c'est vraiment lamentable, quoi. Et dire que les mecs, ils ont passé 8 ans à développer le jeu. Qu'est-ce qu'ils ont branlé pendant 8 ans? Moi, je me pose la question, honnêtement. C'est vraiment ces développeurs, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils sont pas très compétents, quand même, hein, on va pas se mentir. Bon, bref, je vous laisse me donner votre avis sur ce problème encore qui touche Cyberpunk 2077. Ciao, ciao.